cette nouvelle vidéo. Donc ce matin, nous sommes mardi 2 avril. Donc ça y est, l'anniversaire de Côme, c'est fini. Il y a vraiment pas duré longtemps. Nous sommes levés depuis à peu près 40 minutes et nous venons de terminer le petit déjeuner. Donc nous allons aller nous préparer, même si Adam est partiellement habillé. Il a dormi habillé. Allez savoir. Hier soir, j'ai eu un bon moment de stress puisque j'étais installée devant la télé et Marceau est descendu en fait pour me faire un câlin. Et en fait, je n'ai pas surveillé. Enfin, je le regardais pas lui spécialement, je regardais la télé. Donc, d'un seul coup, il me dit « Je vais chercher un mouchoir. » Et je lui dis « Bah attends, j'en ai un là. » Et je lui tends le mouchoir et au moment où il se retourne, en fait, il avait du sang partout. Il saignait du nez, en fait, et ça coulait. Moi, j'ai jamais eu ça. Un de mes enfants qui saigne du nez, je n'avais jamais eu ça. Et du coup, voilà, donc hier soir, je ne savais pas du tout quoi faire. Alors, j'ai regardé sur Internet comment arrêter les saignements de nez et tout. Et puis, finalement, j'ai demandé à ma copine Aurore, parce qu'elle a toujours des techniques à tout. Et elle m'a dit, mouche-le, tu fais sortir le caillot et après, ça ira mieux. Miracle, je l'ai mouché. Effectivement, le caillot est sorti et il n'y avait plus rien. Donc, ça m'a rassurée, mais ça a quand même saigné pendant 10 bonnes minutes. Et ça commençait vraiment à me faire peur. Donc, bonne soirée d'émotion hier soir. Donc, ce matin, je le laisse encore au lit, puisque du coup, il s'est encore couché tard. Et puis, de toute façon, il avait encore un peu de température hier. Je vais, d'ailleurs, il est 8h, je vais pouvoir appeler pour lui prendre rendez-vous chez le médecin cet après-midi, parce que sa toux, elle ne passe pas, au contraire, ça empire. Bref, donc là, on va attendre que Adam ait gentiment terminé son petit déjeuner. Je tourne la caméra parce qu'en fait, il s'en amuse et du coup, il ne mange pas. Et puis ensuite, on va aller se préparer. Donc, maquillage obligatoire. Comme toi, tu peux commencer à aller t'habiller. Et n'oublie pas de te brosser les dents. Allez. Et puis, après les avoir emmenés à l'école, je vais rester à la maison faire un peu de ménage. Comme va t'habiller, s'il te plaît. Je veux finir la vidéo. Non, on n'a pas le temps, là. Enfin, toi, tu n'as pas le temps. Moi, je suis déjà habillée. J'ai plus qu'à me maquiller. Je vais monter me maquiller. J'en ai pour 5 minutes, mais il faut quand même que je le fasse. Et puis ensuite, j'emmène les enfants à l'école et après... Mais aujourd'hui, j'ai pas énormément de ménage à faire. J'ai lavé quand même deux fois par terre hier parce que... En fait, j'ai lavé une fois par terre pour enlever le jus d'orange et tout ça qui était collé. Et en fait, j'ai dû mettre trop de produits, je pense. Du coup, j'avais... En fait, ça collait sur le sol. Mes pieds collaient. Et puis mes traces de chaussures, elles restaient marquées en noir sur le sol. Donc du coup, j'ai été obligée de relaver, mais j'ai lavé à l'eau pour en me disant que de toute façon, s'il y avait eu trop de produits avant, ça ne faisait que rincer finalement. Je ne sais pas si ça a été suffisant. À mon avis, il faudrait que je le refasse une deuxième fois à l'eau encore. À voir, je ne sais pas. Mais c'est vrai que oui, j'avais mis une bonne dose de pchit pour essayer de vraiment tout décaper parce que c'était vraiment crade. Mais je pense que j'y suis allée un peu trop fort. Donc voilà, donc je vais voir s'il faut repasser un coup de serpillière aujourd'hui ou pas. J'aimerais bien que ce ne soit pas le cas. Mais voilà, là je vais juste ranger vite fait. J'ai pas grand chose à faire. J'ai même pas de. Je crois que j'ai même pas de vaisselle à faire ce matin. Il y a le... Ah si, j'ai de la vaisselle à vider quand même. Et puis par contre, si dans le salon j'ai du linge à plier, deux paniers de linge à plier. Et puis j'ai pas mal de choses à ranger puisque j'avais pas mangé hier le salon. Donc vu que les enfants ils sont repassés et Eric aussi. Forcément. Ça fait des dégâts. Donc voilà, bon sur ce, je vais aller me préparer parce que sinon c'est moi qui vais être en retard et puis je vous reprends tout à l'heure. Bon voilà, nous sommes prêtes. Enfin, voilà. On va dire que je suis prête. Elsa est prête. On attend peut-être ses copines. Oui. Ouais, elles sont là. Ah bah tiens, elles sont là. Tu peux y aller. Ok. Justement, bon, maintenant elles sont grandes, donc elles partent entre filles. Et puis moi j'emmène les gars. Voilà. Donc Côme est très en colère parce que je l'ai obligé à se laver les dents et que du coup il n'a pas eu le temps de jouer. On n'a pas tous le même sens des priorités. Voilà. Donc ça marche. Elle s'en va, ma grande fille. À tout à l'heure. Bon,
On a une paire de chaussures qui a disparu. Allez, c'est parti. Bon, les amis, je vous reprends. Il est un peu plus de 10h30. Marceau vient de se lever, tout juste. Il se prend un petit déj de roi. Du coup, bon, je me suis, enfin, comme vous le voyez, la cuisine c'est pas trop le top quand même. Hein. J'ai rangé, j'ai débarrassé la table, mais en fait j'ai ma belle-sœur qui m'a, enfin, je dis ma belle-sœur parce qu'elle restera ma belle-sœur quoi qu'il en soit malgré la séparation. Donc la sœur d'Eric en fait m'a appelé, on a bien discuté pendant pas mal de temps, et du coup, je me suis posée en fait pour discuter avec elle parce que je voulais quand même être un minimum attentive à ce qu'elle me disait. Et puis ça faisait longtemps qu'on s'était pas parlé, donc ça fait plaisir. Du coup, bah voilà, j'ai pas trop avancé dans mon rangement, mais bon, maintenant que Marceau est en train de déjeuner, du coup, je reviens dans la cuisine. Il y a le facteur qui est passé aussi, et j'ai reçu enfin mon petit, je vais vous montrer, mon petit adaptateur pour que j'ai posé sur mon. Alors, je vais mettre un peu plus à la lumière pour essayer de vous montrer. En fait, j'avais commandé juste cette petite partie là qui permet de coincer le téléphone, que j'ai vissé du coup sur mon pied, et ça va me permettre en fait d'avoir mon pied en mode portrait, enfin mettre mon téléphone sur mon pied en mode portrait, pour faire les lives principalement, parce que la dernière fois que j'ai fait un live, le seul que j'ai fait d'ailleurs, mais j'étais gênée parce que en fait j'étais obligée de le tenir, alors j'avais pris la perche quand même pour le mettre un peu plus loin de moi, et ça marchait pas, donc du coup j'avais pris finalement le, je vais vous montrer, le support de partition en fait que Elsa a pour faire son violon. Voilà, j'avais pris en fait ça que j'avais réglé en plus, enfin plus bas, et puis redressé un petit peu. J'avais posé mon téléphone là en fait, donc c'était vraiment pas pratique parce que je l'ai fait tomber deux fois pendant le live. Là au moins je pourrais le poser sur le pied et ça sera nickel. Donc voilà, donc là bah, du coup moi, je laisse Marceau déjeuner, puis j'en profite vu que je suis dans la cuisine avec lui pour faire ce qu'il reste. J'ai un verre de cassé là par terre, il faut que je ramasse, et puis je vais passer l'aspirateur. Je vais essayer de ranger aussi mon bordel là-bas là, parce que ça fait quelques jours que c'est là déjà, et c'est mes huiles essentielles, et en fait je ne sais pas où les ranger pour que mes enfants n'y touchent pas. Donc voilà, ma petite boîte là, c'est toutes mes huiles essentielles là-dedans. Donc il faut que je les range. Après, le reste, c'est des papiers, donc ça, je sais où les mettre. Puis il y a les affaires de Adam aussi. Il avait voulu emmener ses albums de foot à l'école, donc il les a présentés à ses copains, il était super content. Mais sauf que voilà, en rentrant, il les a laissés traîner. Donc il va falloir que je trouve une place pour ça aussi. Du coup, je pense que je vais moi-même commencer les cartons d'Eric, parce que quand même, il est censé déménager soit la semaine prochaine, soit la semaine suivante. Du coup, ça veut dire que dans deux semaines et demie maxi, il est parti quoi. Donc ça veut dire que je vais retrouver mon indépendance. De quoi ? Oui, j'ai remis. Oui, alors il me dit réparer mon aspirateur. En fait, c'est juste que j'ai remis sur l'aspirateur balai, j'ai remis le manche en fait. Parce que moi, j'utilise l'embout, donc juste ça, directement sur le moteur, en fait, et je fais mon canapé avec. Donc, ça me fait, en fait, un aspirateur d'appoint, hein, de toute façon, c'est un aspirateur balai. Mais bon, je ne suis pas très contente, donc je m'en sers pas énormément. Donc, voilà, en fait... L'aspirateur. Je suis super déçue, je l'ai payé cher, en plus. Je suis franchement déçue de mon achat, mais bon, c'est pas grave. Du coup, c'est Eric qui va le prendre, le Dyson, parce que, en fait, moi, il n'est pas du tout à la hauteur de mes espérances, et je pense qu'à la place de ça, je vais m'acheter plutôt un Roomba qui va passer tout seul dans la maison, parce que, voilà, nous... Enfin, moi, l'aspirateur, c'est trois fois par jour, donc c'est vrai que déjà, ça me gonfle de le passer, et puis du coup, bah, il traîne tout le temps, parce que pour le passer trois fois par jour, je ne le range jamais, donc en fait, ça fait bordel, et si j'avais un aspirateur, un Roomba... il se passerait tout seul dans la maison et je serais bien tranquille, donc à voir. C'est en projet, pas pour tout de suite, parce que j'ai d'autres achats à faire avant, clairement. Là, il va falloir que j'achète une machine à laver le mois prochain, je pense, ou peut-être la semaine prochaine, je ne sais pas trop, ça va dépendre quand Eric s'en va.
Il faut que j'achète une machine à laver et puis des lits superposés aussi pour comme. Alors, le lit superposé, il n'y a pas forcément urgence parce que tant qu'on est ici, en fait, on est bien, on a la place qu'il nous faut. Et même dans leur chambre à eux, ils sont à trois et ils sont bien. Donc si Elsa devait aller dans la chambre avec ses frères, c'est Marceau du coup qui sortirait de la chambre parce qu'il est très très difficile au coucher. Donc il les empêche beaucoup de dormir. Donc c'est vrai qu'eux, ils aimeraient bien être tous les trois ensemble et que Marceau soit ailleurs. C'est quelque chose que je pourrais envisager. Pendant un temps, je m'étais dit que peut-être je lui mettrais son lit dans ma chambre. Parce que j'ai de la place, enfin j'ai la place, je pourrais le faire. Donc comme il a en plus un tout petit lit, je me dis que peut-être ça serait la solution, ce serait qu'il dorme dans ma chambre. À voir, parce que je voudrais pas qu'il prenne l'habitude et qu'après il ne veuille plus dormir tout seul. Je sais pas trop comment gérer ça. Mais je veux pas qu'il dorme dans mon lit avec moi parce que c'est une mauvaise habitude que je lui donnerais et c'est absolument ce que je voudrais éviter. Mais je me disais, son lit peut-être dans ma chambre, vu que moi, ma chambre, j'y vais quasiment jamais. Là, je me suis installée une commode, mais en fait, ça y est, avec le changement d'heure le matin, je vois plus clair, donc je suis obligée de me maquiller dans la salle de bain. Tu veux casser? Ben, tu as l'autre à manger avant. Mange l'autre, il est déjà cassé. En fait, Marceau, il veut manger ses gâteaux, mais pas entier. Il faut lui casser avant. Mais je lui en avais cassé deux et là il m'a pris un troisième alors qu'il avait pas mangé le deuxième. J'ai les gâteaux au chocolat. Ouais, tu manges des gâteaux au chocolat. C'est bon? Ouais. Il est content. Prends son petit déj. Donc voilà, donc du coup je vais devoir acheter des lits superposés pour Elsa et Com. Alors, dans l'idéal, le but à la base, idéal, c'était qu'ils dorment tous les quatre dans la même chambre. Du coup, je voulais deux lits superposés. Mais en fait, du coup, avec Marceau, je ne sais pas comment on va gérer ça. Anaïs avait l'air de dire que ça ne la dérangeait pas qu'il dorme dans sa chambre. Moi, je suis partagée parce que je me dis, le soir, elle se couche tard quand même. Et si elle a envie de se mettre avec son téléphone dans son lit ou quoi que ce soit, bah, elle ne pourra pas parce que Marceau dort à côté. Donc, c'est compliqué. Donc, à voir, on avisera en fonction de. Ça se trouve, on va avoir quatre chambres dans notre prochain logement. Je l'espère pas. Enfin, je n'ose y croire. Mais des fois, je me dis, avec un peu de chance. Jusqu'ici, j'ai toujours été quand même relativement bénie, donc ça peut peut-être continuer. On verra. Du coup, ben, là, je sais pas trop quoi faire en fait, parce que concrètement, tout ce qu'il y a là-bas sur mon plan de travail, en fait, ça va dans les cartons d'Eric. C'est de la vaisselle que j'ai sortie de mes placards pour le partage, en fait. Et du coup, ben, moi, j'en ai pas besoin. Enfin, les assiettes, si, c'est vrai que je pourrais encore les utiliser jusqu'à ce qu'ils partent. Mais les casseroles et tout ça, moi j'ai reçu les miennes hier, donc j'ai plus besoin d'utiliser celle-ci. Je vais commencer petit à petit à faire du tri, puis à lui sortir ce que lui il va emmener en fait. Donc je pense que ben, ça va commencer à se mettre en place, hein, tout doucement. J'avoue que j'ai hâte de connaître la date, mais bon, il faudrait que j'aille voir sur sa boîte mail s'il a reçu. Mais elle lui a dit, je vous envoie ça dans la semaine, donc à mon avis, ça va pas être pour tout de suite, mais bon. Faut qu'il aille visiter aussi, parce qu'en fait, c'est la mairie de là où il va habiter, en fait, qui a les clés du logement. Et donc, du coup, il doit aller à la mairie chercher les clés pour aller visiter le logement. Et puis ensuite, il prendra rendez-vous pour. Bon, après, il est sûr de le prendre, hein, quel que soit. En plus, il a été refait à neuf, je ne vois pas pourquoi il ne le prendrait pas. Mais bon, il n'y a qu'une chambre. Il n'a pas de chambre pour les enfants. Ça, c'est dommage. Mais bon, comme on dit, c'est du provisoire. D'ici 2 ans, je pense qu'il aura acheté une maison. Enfin, il s'achètera une petite maison. Donc là, il pourra effectivement mieux prendre en considération le confort des enfants. Mais pour le moment, c'est vraiment de l'urgence, en fait. Donc, on ne se focalise pas sur le confort. D'autant que nos enfants ne demandent aucun confort, vu qu'eux, ils préfèrent dormir sur des matelas par terre que d'avoir un vrai lit. On a un canapé, mais ils s'allongent par terre pour regarder la télé. Enfin, pff, limite, on les ferait manger par terre, ils seraient plus contents que de manger à table. Donc, bon. On ne se met pas la pression par rapport au confort vraiment parce qu'on se rend compte qu'en fait les enfants, plus c'est camping et plus ça leur plaît. Donc du coup, moi après c'est plus moi qui ai un grand besoin de confort. Madame fait sa princesse. Mais les enfants, ouais, ça ne les perturbe pas plus que ça. Donc bah, je vais mettre un petit peu d'eau dans mon vin et puis je vais me calmer un peu sur le confort. Et puis bah, du coup, je vais voir.
Je vais voir ça. Mais ouais, je pense que l'aspirateur robot, j'y viendrai petit à petit. Ça va être un indispensable. Bon les amis, je vous reprends, il est 14h45. Non, 15h45, n'importe quoi, c'est juste que ma voiture n'a pas changé d'heure. Du coup, je m'en vais chez le médecin avec Marceau. Moi, j'ai pris un bain, hein. J'ai pris le temps de me laver les cheveux, tout ça, je me sens toute fraîche, je me sens mieux. Du coup, Marceau, on dirait un bébé, là, quand je le prends comme ça, on dirait un bébé. On va voir ce qu'il en est. Du coup, j'ai rendez-vous à 16h, le temps que je passe le rendez-vous. Les enfants sortent à 16h30, mais Eric est réveillé, donc il va pouvoir aller les récupérer. Et puis, par contre, à 17h, il faut absolument que je sois rentrée pour emmener les grands, enfin les filles, Elsa et une amie de Côme, à la musique. Donc, ah bah j'ai pas mis de rouge à lèvres. Ah, ça m'agace. Bref, c'est pas grave. Et donc, du coup, il faut que je me speed. Donc voilà, c'était juste pour vous faire un petit point sur la journée. Et du coup, je pense qu'on clôturera le vlog justement quand on partira à la musique, quand j'aurai déposé les filles. Voilà! Bon les amis, je vous reprends, il est 18h30, donc je vais clôturer ce vlog, mais avant je voulais vous montrer, parce que je suis allée faire un petit tour chez Super U avec mon application Yuka, puisque en fait je n'ai plus de fond de teint et je n'ai plus non plus de crème hydratante. Et étant donné que Yuka m'a dit que mes produits que je payais super cher, puisque mon fond de teint était un Dior, et ma crème hydratante c'était Lancôme, du coup je me suis dit bah ça sert à rien d'acheter des produits à ce prix là pour avoir des produits médiocres. Du coup je suis allée faire un tour chez Super U et j'ai fait une découverte, mais alors juste géniale. La marque U en fait des produits bio, des cosmétiques bio qui sont notés excellents. Donc bah, je me suis gavée. J'ai pris, je vais vous montrer, du coup en crème hydratante, j'ai pris une crème à base d'huile d'argan, parce qu'en ce moment, alors c'est anti-âge en plus, donc c'est pas mal, j'ai 40 ans maintenant, redensifie et raffermit la peau, donc pour le visage, c'est pas mal. J'ai trouvé une crème pour les pieds aussi, donc ça c'est pas la marque U. C'est Biofa, je connaissais pas, mais tous les produits Biofa Nature sont notés excellents. Donc là, c'est au beurre de karité, donc c'est pour les pieds très secs et c'est mon cas, j'ai les pieds très secs. Donc voilà, du coup j'ai testé, alors j'ai pris aussi du lait hydratant à la karité. Donc moi je vais le prendre en lait pour le corps, hein. Et puis du coup je l'ai pris pour moi et pour Elsa qui a la peau très très sèche sur le corps, elle a une peau atopique. Et j'ai pris en dépannage des lingettes démaquillantes, du coup bio, aloe vera. Alors, je suis pas hyper fan de l'odeur, mais elles sont encore une fois super bien notées et adaptées à tout type de peau, donc je suis très contente. Je cherchais du coup un déo pareil qui soit super bien noté et j'ai trouvé mon savon. Alors, c'est vrai que j'ai pas regardé la gamme U bio, du coup, dans les déos, j'étais déjà partie. Du coup, j'ai pris le mon savon bio aloe vera vanille. Donc, je sais pas trop ce qu'ils sont, j'ai pas senti. Oui, tu peux le manger si tu veux. J'ai pas trop senti l'odeur en fait, mais en tout cas. Je vais vous dire ça de suite. Hein. Oh non, mais c'est je l'en double. Oh, je l'ai bien donné. Bon, ça va, il sent bon. Ça sent pas vraiment la vanille, mais ça sent bien. Ça sent plus l'aloe vera. Du coup, j'ai pris des cotons bio. Et pour mon loulou, j'ai pris des lingettes. Parce qu'en ce moment, j'ai besoin de lingettes. Et à chaque fois, j'en ai pas. Et du coup, j'ai pris des bio aussi. Donc, j'ai pris Love and Green. Et alors, là, je suis un petit peu moins fière de moi, mais je n'ai rien trouvé. Est-ce que c'est possible que vous parliez moins fort, s'il vous plaît? Je n'ai rien trouvé d'autre. Je les ai tous passés dans Yuka. Et je vais avoir besoin de l'ordinateur, parce que je vais... Ah bah non, je le fais sur... Non, c'est bon, je prends. Oui. Du coup, j'ai pris ce fond de teint. Alors, j'ai pris ce fond de teint parce que c'est un fond de teint que la youtubeuse Sananas recommande. Apparemment, il a une très bonne tenue. J'espère juste qu'au niveau de la teinte, ça va le faire. Puisque du coup, on choisit en emballage fermé. Donc, c'est pas forcément évident. Donc, il est noté mauvais. Mais malheureusement, il n'y en avait aucun qui était noté bon. Ne serait-ce que bon. Donc, du coup, bah, j'ai pris quand même. Tant pis. Et puis après, je me suis pris des compléments alimentaires. Donc, j'ai pris
magnésium marin, ça fait du bien. Comme je suis un petit peu fatiguée, c'est bon pour la forme et puis pour le tout ce qui est moral et tout ça. Et c'est vrai qu'en ce moment, le moral est un peu bas. Donc, je me dis que ça va me faire du bien. J'ai pris ça, qui est un brûle-graisse. Alors, c'est à base de thé. Normalement, je ne consomme pas de thé, mais... je l'ai passé dans Yuka et il était excellent. Donc du coup, je l'ai pris quand même. Du coup, j'ai pris celui-là, fenouil sauge. C'est pour de la digestion et ventre plat. C'est pour éviter les ballonnements. En fait, et moi, des ballonnements, j'en ai beaucoup. Donc voilà. Donc j'ai pris ces petits compléments. Donc en tout, je vais me taper 4 comprimés par jour. Ah non. Il y en a un que je dois prendre 2 fois par jour. Non, 2 par jour. Donc je peux les prendre... Ah oui, d'accord, alors le fenouil sauge, c'est avant le repas du midi. Celui-là, c'est le matin. Et le magnésium, j'avais pas vu que c'était précisé en fait. Le magnésium, c'est le matin aussi. Donc j'en ai 2 le matin et 2 le midi. Bon, bah comme ça. Au moins. Donc ça, c'est une cure de 15 jours. Le magnésium marin, c'est 30 jours. Et le guarana, le thé vert guarana, c'est 45 jours. Donc j'espère que ça va m'aider un petit peu à améliorer ma ligne, même si j'avoue que je désespère. Donc voilà, sinon, au final, on n'est pas allé chez le médecin pour Marceau. Enfin si, on y est allé, mais on n'a pas été reçu parce que comme par hasard, d'habitude, mon médecin est toujours à l'heure. Aujourd'hui, il avait 3/4 d'heure de retard. Donc comme je devais emmener les filles à la musique, je n'ai pas pu rester jusqu'à l'heure de mon rendez-vous. Donc à 4h30, j'attendais de voir si c'était mon tour ou pas. Et je pensais bien que la dame était avant moi. Effectivement, elle était avant moi. Donc quand il est venu la chercher, bah, j'ai pris Marceau par la main. J'ai dit, allez, on s'en va. Et j'ai repris rendez-vous. Donc du coup, on ira demain matin à 11h30. Donc du coup, je récupérerai Elsa à la musique demain matin et j'enchaînerai. Oui, elle a 2 fois musique parce qu'elle a solfège en fait le mardi soir. Et violon le mercredi matin. Donc voilà, du coup, bah, sur ce, je vais clôturer le vlog maintenant parce qu'il est déjà 18h30 et le temps que je termine de le monter, alors il ne manque que cette séquence, mais voilà, le temps que je mette cette séquence en ligne et puis que je fasse après le chargement sur l'ordinateur et ensuite le chargement sur YouTube. Bon, le chargement sur l'ordi, ça va assez vite, il y en a pour à peu près 5-7 minutes, mais après, du coup, il y en a pour presque 2 heures à le mettre en ligne sur YouTube, donc... je vais essayer en connexion, en partage de connexion, ça a l'air de fonctionner mieux. Du coup, je vais essayer de faire en sorte que ça aille très très vite. Donc, je me dépêche. J'ai aussi reçu, je vous montre comme ça, mon micro-ondes. Donc, il faut que je m'occupe de l'installer tout à l'heure. Voilà. Donc, je vais m'occuper d'abord du montage vidéo et ensuite, je m'occupe de le micro-ondes. J'ai prévu, en fait, des pizzas pour ce soir, vu que demain, il n'y a pas d'école. On est tranquille. Voilà, voilà. Donc, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Thank you.